Hey hop tout le monde, c'est Shorty et on se retrouve pour un nouveau guide sur Fallout 4. Dans ce guide, il sera question de ce matériau chiant qu'on appelle le caoutchouc, hein, qui nous manque toujours, hein, comme d'habitude, pour continuer dans les composants, on va dire ça comme ça, qui rentrent en ligne de compte pour créer beaucoup de robots, etc. Comme l'adhésif, comme le céramique, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va partir à la chasse au rubber. Donc pour ça, il y a deux locations in-game qui sont pas dégueulasses. On va les voir de suite. Alors, le premier endroit à venir visiter, il s'agit de l'abri du maire de Boston. The Boston Mayoral Shelter. Mayoral, mayonnaise, ouais. Mayoral Shelter à venir voir, qui se trouve pas si loin que ça de Sanctuary. Il se trouve vraiment sur le côté de la map. Je vous invite à ne pas aller là-bas à bas level. Pourquoi? Parce que cet endroit est infesté de synthétiques et d'autres gentils petits trucs pour vous tuer. Donc c'est situé juste à côté de la clinique hématologique, au-dessus du réservoir Poséidon. C'est pas si loin de la mer luminescente. Donc voilà, vous avez quelques petits points pour vous repérer. Donc cet endroit est assez, on va dire, pas labyrinthique, mais assez bizarre. La première fois qu'on va visiter à l'intérieur, puisque deux endroits, enfin un endroit est potentiellement accessible, enfin est accessible via deux passages. Alors, donc les endroits où vous pourrez trouver du rubber. Alors déjà ici, des deux côtés, ça ne sert à rien de vraiment regarder. Il n'y en a pas. Donc je vous invite directement à entrer ici. Vous aurez une première tourelle qui est ici, normalement. Vous avez donc ici, vous rentrez, vous n'avez rien ici non plus. Vous avez un extracteur, donc première source de caoutchouc, ça vous en donne deux. Voilà. Vous prenez l'ascenseur, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ennemis autour, etc. Vous arrivez à l'étage du bas. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous passez par ici, et hop, voilà. Soit vous passez par ici, etc., etc. Soit vous faites le chemin normal, qui est ce chemin. Comme je vous ai dit, en fait, en gros, les deux endroits arrivent ici. Donc ne vous inquiétez pas. Peu importe l'endroit où que vous choisissez, c'est le bon. Alors, vous voyez des synthétiques. Il y a beaucoup de chèmes à cet endroit. Vous pouvez en trouver énormément. La boîte à outils, ça ne sert à rien de l'ouvrir. Il n'y a pas de rubber à l'intérieur, hein, donc à venir ici. Vous avez des bouchiottes ici, donc pensez à le prendre. Ça vous fait toujours deux rubber en plus. Hop. Vous arriverez donc dans cette grande pièce. Cette grande pièce, il n'y a rien de particulier, sauf si ce n'est que de l'adhésif, des coffee cups, etc. Donc pour la céramique, c'est pas dégueulasse non plus. Vous pouvez voir, des coffee cups, vous en avez un petit peu partout. Vous avez une spatule ici qui va elle aussi vous donner un de caoutchouc. Voilà. À cet endroit, ça ne sert à rien d'y aller. Cet endroit, ça ne sert à rien d'y aller, comme j'ai dit. Enfin, vous pouvez si vous avez besoin d'autre chose, mais globalement, si vous cherchez juste le rubber, je vous invite à donc continuer. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez voir, en fait, vous allez arriver à un endroit avec pareil un extracteur. Faites attention, quand vous arrivez de là, il y a souvent de synthétiques ici. Voilà, vous descendez, vous vous faites attaquer globalement par des synthétiques un petit peu partout, hein, parce que globalement c'est ce qui arrive. Ici c'est la chambre avec un petit livre à dormir debout qui vous permet de récupérer un PV par minute, ce qui n'est pas dégueulasse. Ça vous fait une petite régène passive assez facile. Hop. Pensez à toujours regarder à tout ce qu'il y a autour de vous. Des fois, il y a des trucs assez sympas qui sont cachés un petit peu partout. Donc ici, pareil, rien de particulier, si ce n'est que des réveils qui permettent de vous donner des matériaux nucléaires, par exemple, si vous en cherchez. Cet endroit, pareil, beaucoup de chèmes à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à venir le piller allègrement. Ici, pareil, un petit débouchiotte. Voilà. Là-dedans, il n'y a rien de particulier. Ça ne sert pas à grand-chose de l'ouvrir, si vous voulez.
Vous avez encore un extracteur ici. Voilà. Et c'est à cet endroit que ça va commencer à devenir un peu plus marrant, parce que c'est vraiment à cet endroit où vous allez en avoir beaucoup. Donc vous en avez, vous avez un ballon ici. De ce côté-là, vous n'avez rien de particulier, on va dire ça comme ça. Donc vous avez ceci, vous avez un ballon de basket ici, vous en avez plusieurs là-dedans. Vous en avez un qui est dégonflé, qui vous donne automatiquement un de moins que les autres, sachant que les ballons de basket vous en donnent 3. C'est pas dégueulasse. Vous avez des boules et des ballons de basket une fois de plus. Sort de là. Merci. Ici, vous avez de l'antifreeze qui vous sert pour une des quêtes plus tard dans le jeu. Donc, n'hésitez pas à la prendre. Franchement, c'est... Voilà. Vous avez des mini-nukes, vous avez des torches à souder, etc., etc. Vous avez un réacteur nucléaire qui est free. Vous avez encore un extracteur que vous faites demi-tour. Donc, pour cet endroit, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est que cet endroit... Voilà, vous pouvez avancer, hein. Déjà, vous voyez des os partout, vous vous dites oui, c'est normal. Sauf que... Ne me demandez pas d'où il vient, je sais pas moi-même. Ah oui, il vient de là. Donc voilà, globalement, vous avez un petit écorcheur niveau 22. Donc bon, on va être gentil. Hein. Voilà. On va être gentil, le petit écorcheur. Allez, salut, à la prochaine. Bon, on va voir. Voilà, bon, il y a eu l'animation, mais... Ah si, c'est bon, le cadavre a disparu correctement. Alors, vous avez ici, et vous pourrez donc avoir de la viande de marine, ça vous vous en foutez. Par contre, vous avez un Fat Man ici. Et à l'intérieur de la caisse de munitions, c'est un petit peu aléatoire. Des fois, vous avez une mini nuke, des fois, vous n'en avez pas, des fois, vous avez des trucs caca. Là, vous avez 20 cartouches plasma. On ne va pas cracher dessus, hein. On ne va clairement pas cracher dessus. Donc, voilà, globalement, pour cet endroit... Cet endroit a un statut, c'est-à-dire qu'il peut passer en terminé. Il était passé en terminé, vous avez vu, même si le esclave n'était pas mort. Mais globalement, voilà, donc il s'agit donc d'un endroit qui peut repopper. Alors, du coup, prochain endroit. Le deuxième endroit à aller voir n'est pas si loin de l'usine ou l'endroit où on vend enfin les objets de Watts Consumer Electronics, qui se trouve pas si loin de Bunker Hill, qui est tout près de l'hôpital de Kendall. Voilà, donc vous avez vos poids et c'est juste au sud de Covenant. Donc une fois que vous êtes en face du bâtiment, le plus simple pour le retrouver, c'est de globalement passer par là. Donc il vous suffit simplement de passer par ici, soit de vous passer par la voiture, soit de vous passer par ici sur le côté, hein, c'est globalement la même chose. Et donc ici vous avez un endroit qui n'est pas marqué sur la carte, qui s'appelle Plumber Secret, le secret des plombiers, hein, si vous voulez. Et à l'intérieur vous pourrez trouver pas mal de caoutchouc, vous pouvez déjà voir ici, hein, voilà, ok, super. Faites attention, cet endroit est piégé de tous les côtés. Donc faites vraiment bien attention à vous si vous ne voulez pas mourir dans d'atroces souffrances. Alors, donc vous aviez ici, vous avez là, voilà, vous avez une autre truc ici. Pensez à bien regarder partout, hein, comme je dis, il y en a vraiment partout, partout à cet endroit. Hop, vous avez donc ceci. À l'étage, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien, s'il n'est que des steampacks qui traînent à cet endroit-là aussi. Alors, vous avez ici, faites attention parce que là, vous ne la voyez pas. Enfin, on ne la voit pas avec le Pip-Boy, mais ici, il y a une autre mine à capsule. Donc, pensez à vraiment bien regarder ce que vous faites. Vous avez un autre débouchiotte ici. Là, c'est pour aller à Cambridge. Donc, vous, globalement, vous vous en foutez un petit peu. Vous avez pareil ici, pensez à... Voilà. Pensez à surtout bien souvent éteindre votre Pip-Boy si vous ne voulez pas éviter de mauvaises rencontres. Parce que bon, globalement, vous n'êtes pas soit là pas pour vous battre ou quoi que ce soit. Et pareil, quand vous montez ici, faites attention, vous avez une mine à capsule juste ici. Voilà. Et une fois que vous avez été ici, vous allez voir en fait que cet endroit, globalement, voilà. Donc si je fais ça, vous voyez tout ça.
Il s'agit de, à chaque fois, c'est 2 de caoutchouc, ce qui est loin d'être dégueulasse. Voilà. Donc, le plus simple, dans un premier temps, c'est juste de récupérer ce qu'il y a au mur. Voilà. Vous récupérez ce qu'il y a au mur. S'il tombe, ce n'est pas grave, de toute façon. Voilà. S'il tombe, ce n'est pas vraiment trop grave. Puisque de toute façon, voilà, globalement, vous tirez là-dessus et tout va tomber. Bon, celui-là, il n'a pas voulu parce que bon, voilà. Mais globalement, tout va se retrouver ici en dessous. Vous avez un pistolet Serag, vous avez une mine à capsule, enfin une cache de capsule, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Donc voilà. Donc juste avec ces deux locations ici, 30 d'un côté, vous en avez 13 de ce côté-ci, plus ou moins, ça dépend. C'est pas toujours le même nombre ici au-dessus. Mais globalement, oui, vous devriez vous faire, vu que ça donne à chaque fois 2 à 3 de rubber, vous devriez vous en avoir fait une centaine avec ces deux endroits. Du coup, on va passer au personnage qui vous vend des cargaisons de caoutchouc. Premier endroit à venir voir, il s'agit donc de Diamond City, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, petit truc, tous les docteurs dans le jeu vous vendent normalement. Je dis bien normalement, je crois que celui du prix de Wen ne vous en vend pas. Normalement, ils vous vendent tous du caoutchouc. Normalement, celui qui est ici vous en vend pour des raisons d'éthique. Il ne va plus pouvoir vendre quoi que ce soit puisqu'il est mort dans sa cave. Mais sinon, ici à Diamond City, vous avez deux vendeurs. Donc vous avez le docteur, enfin trois au total. Vous avez donc Myrna qui est ici et qui, elle, vous vend D'accord. du rubber aussi. Voilà notre Voilà, cargaison de caoutchouc, ça coûte assez cher malheureusement le caoutchouc, mais vu le nombre d'utilités qu'il a, c'est tout à fait logique. Donc des cargaisons de 100. Vous avez aussi bien évidemment le petit robot qui est à l'intérieur. Normalement, celui-ci peut vous en vendre aussi la journée. Bon, vous en avez ici si vous voulez le voler aussi, hein. Voilà. Normalement, le petit robot doit pouvoir vous en vendre la journée. Voyons si vous Voilà. avez. Voilà. Et donc, lui aussi, comme sa maîtresse, vous vend du caoutchouc. Donc, pour cet endroit, c'est tout. On va se diriger au prochain endroit. Donc, autre petit endroit que je ne peux pas vraiment vous montrer. Il s'agit donc de trouver le Doc Wither, donc le docteur nomade, on va l'appeler ça comme ça. C'est un docteur qui se promène entre La Bourbière, County Crossing et Bunker Hill. Vous pouvez le trouver si vous faites la route à cette route-ci, normalement. Vous faites cette route-ci et vous le trouverez. Autre petit endroit à aller voir et autre petit personnage à aller trouver, il s'agit de Carla l'ordure qui elle les vend par 100. Elle aussi est une nomade qui se promène entre vos settlements. Donc voilà, si vous la trouvez, n'hésitez pas à lui sauter dessus. Ça sera déjà pas mal niveau rubber, surtout que par 100 c'est pas dégueulasse. Autre petit endroit à aller voir, par contre là on va passer du côté des DLC. Alors, il s'agit du marché de Nuka World, là, que vous pouvez globalement pas rater et qui se trouve vraiment au milieu. Et en particulier deux vendeurs, enfin vendeuses du coup. Il s'agit donc de Shelby, Voyons ce que vous avez là. qui est ici et qui elle aussi vous vend des cargaisons de caoutchouc. Elle vous le vend par 100, ce qui n'est pas dégueulasse. C'est pas... Il vous en faut des centaines et des centaines et des centaines, mais par 100 c'est déjà pas mal. Et vous avez... Deb, Caitlin, vous avez donc Caitlin qui se trouve juste ici et qui elle aussi, comme tous les marchands itinérants, globalement vous vend pareil des cargaisons de caoutchouc. Après, pour tous ceux que je viens de citer, n'hésitez pas parce que tout ce qui comporte du caoutchouc, ils en vendent assez souvent. C'est-à-dire ils vendent des extracteurs, ils vendent des jouets. Parce que oui, certains jouets à du caoutchouc, vous voyez, donc voilà. Donc n'hésitez pas franchement à acheter tout ce qu'ils ont. Et n'hésitez pas surtout à activer la petite... comment dire? La petite loupe, hein, vous faites. Donc bric-à-brac, cliquez sur n'importe quoi, vous faites C pour afficher les composants. Et suivant ce que vous avez, en fait, vous appuyez simplement sur Q et ça va vous marquer tous les objets.
qui comporte du caoutchouc dans ce que les vendeurs vous vendent. Donc n'hésitez pas. Bon, en même temps, si je me trompe de PNJ, ça va pas fonctionner. Donc, elle, voilà. Hop, 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 hop. Pareil, comme j'ai dit juste avant, tout ce qui comporte du caoutchouc sera automatiquement mis avec la petite loupe sur les côtés. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder tout. Ou si vous avez vraiment trop d'argent, faites comme moi. Si vous avez les modes qui vous permettent d'afficher tous les objets de construction, affichez-les et achetez tout. Parce que globalement, voilà. Donc on va aller voir le dernier endroit qui vend du caoutchouc. Et donc, dernier petit endroit à venir voir si vous avez le DLC Far Harbor, il s'agit du noyau. Où vous pourrez trouver Sœur May. Voilà, c'est son nom. Donc c'est vraiment ici, au milieu de Far Harbor. Vous pouvez pas vraiment le louper. C'est vraiment ici, au milieu de Far Harbor. Je vous mets une photo de sa tronche parce que, pour pareil, les rayons d'éthique, voilà, personnel, elle n'existe plus. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, bah, merci à tous ceux qui ont regardé ce guide, en espérant que celui-ci vous ait été utile. Et on se retrouve dans un prochain guide prochainement ou dans un prochain épisode. Si tout se passe bien. Donc sur ce, à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apocalypse c'est bien, mais pas trop. Ciao ciao et à la prochaine.